Date, dimanche 13 novembre 1955, 7h01. L'expérience spatio-temporelle d'hier soir a été apparemment un succès total. La foudre a frappé l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04, projetant 2,21 gigawatts d'électricité dans la DeLorean, qui a disparu dans un fantastique éclair de lumière, laissant deux traînées de feu derrière elle. J'en tire la conclusion que Marty et le véhicule spatio-temporel ont été transportés à travers le temps jusqu'en 1985. Après quoi? Après quoi? C'est le trou noir complet. En fait, je ne sais plus comment je suis rentré chez moi. Il est possible que la décharge de gigawatts, amplifiée par le champ de déplacement temporel engendré par le convecteur, ait créé une interférence dans mes ondes cérébrales, entraînant un accès momentané d'amnésie. Et en effet, il me revient que peu après la disparition du véhicule temporel, vers le futur, j'ai eu une vision de Marty qui me disait « Je reviens du futur ». Hé, hey, Doc. C'était sans nul doute une image résiduelle qui... Date, Sunday, November 13th, 1955, 7:01 a.m. Last night's time travel experiment was apparently a complete success. Lightning struck the clock tower precisely 10:04 p.m., sending the necessary 1.21 gigawatts into the time vehicle, which vanished in a brilliant flash of light, leaving a pair of fire trails behind. I therefore assume that Marty and the time vehicle were transported forward through time into the year 1985. After that, I can't recall what happened. In fact, I don't even remember how I got home. Perhaps the gigawatt discharge, coupled with the temporal displacement field generated by the time vehicle, caused a disruption of my own brainwaves, resulting in a condition of momentary amnesia. Indeed, I now recall that moments after the time vehicle disappeared into the future, I saw a vision of Marty say he had come back from the future. Hey, Doc. Undoubtedly, this was some sort of a digital image. Tu recevras cette lettre tout de suite après avoir vu la foudre tomber sur la DeLorean. Je tiens d'abord à te rassurer, je suis vivant et en bonne santé. Cela fait 8 mois que je mène une vie de rêve en 1885. L'éclair qui a frappé la DeLorean a entraîné une surcharge en gigawatts qui a gravement endommagé les circuits et activé le convecteur temporel, ce qui m'a expédié en 1885. Le court-circuit provoqué par la surcharge a détruit les instruments de vol. La voiture, hélas, ne pourra plus jamais voler. La voiture volait. Mais oui, vous l'avez fait convertir en aéroglisseur au début du 21e siècle. Incroyable. You will receive this letter immediately after you saw the DeLorean struck by lightning. First, let me assure you that I am alive and well. I've been living happily these past 8 months in the year 1885. The lightning bolt that hit the DeLorean caused a gigawatt overload which scrambled the time circuits, activated the flux capacitor and sent me back to 1885. The overload shorted out the time circuits and destroyed the flying circuits. Unfortunately, the car will never fly again. It actually flew. Yeah, we had a hover conversion done in the early 21st century. Incredible. Doc! Doc! Venez voir! Vite! Qu'est-ce que tu as, Marty? On dirait que tu as vu un fantôme. Eh ben, vous êtes pas tombé loin. Au nom de Zeus! Regardez ça! Décédé le 7 septembre 1885, une semaine après avoir écrit la lettre. Regret éternel avec toute l'affection de sa bien-aimée Clara. Mais qui c'est cette Clara? Doc! Doc! Come here! Quick! What's wrong, Marty? You look like you've seen a ghost. You're not far off, Doc. Great Scott! Check this out. Died September 7th, 1885. That's 1 week after you wrote the letter. Erected in eternal memory by his beloved Clara. Who the hell is Clara? Les Indiens! Qu'est-ce que tu bois, étranger? Je vais prendre un verre d'eau glacée. De l'eau glacée? De l'eau? Si tu veux boire de l'eau, tu vas te plonger la tête dans l'abreuvoir des chevaux, dehors. What'll it be, stranger? I'll have, ice water. Ice water? Water. You want water, you better go dunk your head in the horse trough out there. Ton nom c'est quoi, pied tendre? Ma...
Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, moi, le mec? What's your name, dude? Mark. Eastwood. Clint Eastwood. What kind of stupid name is that? Marty, je t'avais formellement interdit de mettre les pieds ici. Tu devais repartir directement en 1985. Je sais, Doc, mais il fallait que je vienne. Mais je suis content de te voir. Il faut faire quelque chose pour tes vêtements. Si tu te balades en ville dans cet accoutrement, tu vas te retrouver truffé de plomb. Ou la corde au cou. Quel est l'imbécile qui t'a attifé comme ça? C'est vous. Marty! I gave you explicit instructions not to come here, but to go directly back to 1985. No, Doc, I had to come. But it's good to see you, Marty. Marty, you're gonna have to do something about those clothes. You walk around town dressed like that, you're liable to get shot. Or hanged. What idiot dressed you in that outfit? You did. La minute est passée! J'espère que t'as fait ta prière, Maréchal Ferrand. Je suis là, Tannen. Non. Je croyais qu'on pouvait régler ça en homme, Tannen. T'as mal cru, piéton. Time's up, run. Here to meet your makeup, Lexman. Right here, Tannen! I thought we could settle this like men! You thought wrong, dude! Doc! La bûche rouge est sur le point d'éclater! Voilà, Doc. Elle est détruite. C'est ce que vous vouliez. Well, Doc, it's destroyed.
you want. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous. On fera le nécessaire. Attention au départ. Les garçons, attachez vos ceintures. Hey, Doc, vous allez où maintenant? Vous retournez vers le futur? Non, j'y suis déjà allé. Your future is whatever you make it. So make it a good one. Both of you. We will, Doc. Stand back. All right, boys, buckle up.